L'économie européenne à la traîne des États-Unis et de la Chine. La zone euro a encaissé une nouvelle contraction de son économie au premier trimestre et est même entrée techniquement en récession sous l'effet des restrictions sanitaires et des retards dans les vaccinations. Le PIB de la zone euro a reculé de 0,6% entre janvier et mars. Quand les États-Unis enregistraient une hausse de 1,6%, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'affiche à 1,6%. La France, grâce à un confinement plus strict fin 2020, enregistre une croissance positive. Le Portugal est champion dans le rouge, tout comme l'Allemagne, première économie européenne qui plombe la croissance de la zone euro.